C'est parti mon colonel, on y va, c'est la guerre. Oh, salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit Rambo. C'est 8300 et en effet, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un jeu vidéo. Une fois de plus, évidemment, nous sommes sur une chaîne de jeux vidéo, bien sûr. C'est un jeu que nous allons découvrir ensemble. Bah ouais, on fait de temps en temps comme ça des petites découvertes sur la chaîne. Et bah justement, c'est un jeu PC. Vous connaissez Desperado, vous connaissez Commando. Bah écoutez, c'est peut-être quelque chose qui peut vous plaire parce qu'on est clairement dans le même genre. On y va, c'est parti! On y va, on se lance dans... Alors, on se lance, mais pas trop loin. Allez, c'est parti donc pour War Mongrels. Oh yeah! Allez, c'est parti donc pour War Mongrels, donc avec un petit café bien sûr, hein, qui fait plaisir. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, magnifique. Vivre heureux, vivons café. Bah oui, c'est important. Évidemment. J'ai oublié de remettre la petite musique. Ça m'a l'air d'être pas mal, écoutez. On va faire comme ça. La musique en plus, elle est super sympa. Donc, jeu qu'on va découvrir ici, mes gens. Donc, vidéo en partenariat avec l'éditeur pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Merci à eux. Et puis, bah du coup, bah écoutez, on va tout de suite lancer la campagne. On peut jouer d'ailleurs en coopération. Ça, c'est aussi une chose à savoir. Et on va relancer la campagne, on va commencer le chapitre. Vous pouvez donc du coup déplacer le curseur de difficulté allant de très facile à le mode défi, évidemment. Donc on sait souvent qu'en règle générale, le mode défi, ça pique bien comme il faut. Et c'est parti! Allez, let's go! On y va! Et je vous laisse avec la cinématique. Oh yeah! Allez, on y va, chapitre 1. Cowardice, ou Cowardice. En bon français, évidemment. C'est parti! Manfred Raufer. I'd like to hear the story about you and your companions in detail. We have plenty of time. As you may expect, I'm not particularly happy to share all this. I've tried to forget everything for the last 10 years. Yet I swear on my honor, I'll be truthful. I wish to release this burden. Please, proceed then. Began in June 44, when the Allied forces. Juin 44, c'est la guerre et on va tout déglinguer sur son passage. Oui, oui, je fais les commentaires aussi. Hein. Regardez, nous sommes en Normandie. Normandie, juin 44. Les Allemands sont en train d'infiltrer la France. Bon, allez, allez, je vous laisse avec la cinématique. Je reviens. We've been on Eastern front lines for 3 years already. Three long. Horrible years. Everything was different at that point. Do you know what it's like to live day to day with a constant feeling that you're already dead to this world? Me and Ewald witnessed terrible atrocities during the withdrawal of our forces. I couldn't comprehend how they applied the principles and dignity of German soldiers. Us. Vous l'avez compris, on n'est clairement pas là pour rigoler, et on n'est clairement pas là pour vivre un très bon moment. Ça, c'est sûr. Mais que fais-tu? Et voilà. Il se rend compte de l'horreur. C'est un jeu qui va traiter de ça, de toute façon, hein, on baisse un petit peu le son, évidemment. C'est un jeu, bien sûr, qui va traiter de ces heures sombres de notre monde. Et ce que l'on va faire, on va tout de suite passer, parce que oui, on veut du gameplay. Et nous y sommes, justement, sur le gameplay de ce jeu. Je fais attention au son, je augmente un tout petit peu, je pense que là c'est pas mal. Donc oui voilà, donc War Mongrels, c'est un jeu qui va se passer donc durant la guerre, évidemment, seconde guerre mondiale en l'occurrence, puisqu'ici on commence donc du coup en juin 44. Il faut savoir d'ailleurs que ce jeu est disponible que sur PC. Pour l'instant c'est que sur PC, hein. Je sais pas s'il y a une version console qui sera prévue un jour ou l'autre, mais en tout cas ça arrive sur PC, c'est même déjà arrivé sur PC depuis le mois de septembre 2022, c'est une édition polished, parce qu'en effet elle est sortie sous l'appellation Polished Edition, donc avec
tout ce qu'il y a de correction de bugs en tout genre et de ce genre de choses. Non ! Pourquoi ? Ça y est, voilà, c'est la guerre, mon colonel. Allez, mais il y a deux survivants. Évidemment, ils sont là. Voilà. Ils sont là, ils sont par terre, ils en ont pris plein la tronche. Mais ils sont toujours là. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et donc, du coup, eh bien, c'est parti. On y va. On va pouvoir donc les sélectionner. Alors, vous allez constater que si vous êtes dans le... Si vous aimez ce genre de jeu, très clairement, il n'y a pas de surprise puisque c'est vraiment le genre qui veut ça. Mais pourquoi il veut pas lui? Mais reviens! Reviens! Déplace-toi avec lui, voyons! Mon cher! Je fais attention au son quand même pour que le son soit pas trop fort non plus pour vous. Du coup, pour changer la position, oui, on peut appuyer sur Space évidemment pour que vous puissiez vous lever. Ah oui, il faut d'abord que je sélectionne les deux, comme ça on peut lever les deux. Donc ouais, je vous disais, le jeu est disponible sur Steam et disponible aussi sur Epic Game Store, sorti donc au mois de septembre dans une édition qu'ils appellent la Polished Edition, avec correction de bugs en tout genre, et ce genre de choses. Donc, ce qui est plutôt sympathique, évidemment, et vous l'avez vu, c'est le genre qui veut ça, c'est un genre que l'on connaît de Commando, de Desperado, et de ce genre de jeu qu'il représente. On avait d'ailleurs fait une petite vidéo justement de ce dernier, et qui de Desperado, bien sûr, je veux dire, et qui fait quand même bien plaisir. C'était un très bon jeu d'ailleurs, avec aussi une sortie PC et console. Bref, on est là pour voir un petit peu ce que donne Warmongers. Attention, tu es au corps à corps. Utilisez la compétence main nue. Oui, alors, alors j'espère que ça va marcher, évidemment. Hop, et voilà, c'est parti. Oh, c'est bon. Il a pas vu ma stratégie. Il a pas vu ma stratégie arriver. C'est normal. Je suis un soldat et personne ne voit. Évidemment, c'est la première mission, donc on est là bien sûr pour comme un espèce de prologue au jeu. Mais c'est vrai que c'est ce genre-là de jeu, je l'aime bien et j'aime bien en fait ce qu'il représente. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme les jeux de type de type STR, comme le sont par exemple des Warcraft, des Starcraft, où eux, c'est des jeux que j'ai énormément de mal à jouer. Ceux-là, c'est différent, parce que certes, c'est du tactical. Alors, faut pas que ce soit trop dur non plus, hein, parce que quand c'est très dur, c'est une catastrophe, je ne sais pas jouer. Mais, en règle générale, ce genre de jeu, j'y arrive quand même. Alors, adieu l'uniforme. Donc, déplacement de la caméra. On va pouvoir, bien sûr, déplacer la caméra ici. Et donc, voir qu'il y a... l'ennemi, bien sûr. Donc, champ de vision de l'ennemi. On va cliquer pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc, ça marche. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, on va pouvoir prendre la petite bouteille. Alors, est-ce que je peux prendre la bouteille directement comme ça? Ah oui, d'accord. Il faut maintenir pour pouvoir sélectionner la bouteille. Ok. La bouteille de gnoll. Et donc, je suppose que nous allons devoir, eh bien, faire diversion. Alors, lancer une bouteille. Alors, je suppose que... faut le faire avec... Alors... Ah oui, il faut que je sélectionne. D'accord, faut sélectionner pour pouvoir jeter. Hein ? Mais qu'est-ce que... Et là, donc, je vais pouvoir... Voilà, c'est parti. Ok, parfait. Donc, je peux récupérer ma bouteille. Allez, récupère la bouteille. Voilà. Et on va pouvoir, de ce fait, attirer quelqu'un ici. Alors, est-ce que... Ah oui, il voit quand même. Ok, il voit quand même... Alors par contre, reviens ici, parce que c'est, ça va être compliqué. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'avoir ici? Tuez-le, ok. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne. Ok, tout passe avec CTRL, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Au moins, comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de complexité ou ce genre de choses. Alors, est-ce que je peux récupérer l'arme? Non. Par contre, je peux récupérer la bottle. On va réaugmenter un peu le son. Alors, vous enlèvement d'un... Tuer en silence. Alors, comment on va faire, du coup? Je pourrais le placer là. Il y a quelqu'un qui est mort, là? Parce que... Alors, attention. Comment je vais faire? Est-ce que je peux balancer la bouteille ici? Pas sûr. Ah ouais, d'accord. Ah, je peux le faire que là. Que à partir de cet endroit-là. Ok. Bon, bah écoute, on va... faire ça, on va aller là. Et on va peut-être la tirer ici. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Je suis pas sûr. Allez, viens mon cochon, vas-y, viens. Hop, allez, on y va. C'est parti, dépêche-toi. Ok, nickel. Parfait, très bien. Là, on est bon. On va récupérer la bottle. Là, il n'y a personne, donc à la limite, je peux le faire là. Alors, je pense que...
J'ai eu peur. Là, je me suis dit, ça marchera pas. Si, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Hop, ok, nickel. Bon, très bien. Allez, on récupère la bouteille et c'est bon. Donc là, on a les soldats qui sont ici. On va pouvoir passer, je pense, de l'autre côté. Voire même peut-être faire le tour. La bagarre. Si Ewald a une bouteille de rechange en un, il peut l'utiliser pour abattre deux adversaires à la fois. Sélectionner compétence bagarre. Oui, d'accord. Ah ouais, la bagarre, pas de problème. Et donc, ah, on peut avoir les deux comme ça. Aïe. Je suis un sacré grimpeur, je peux l'avoir. Oh, c'est un petit grimpeur. Bravo. Alors, donc, du coup, sélection du leader. On va prendre Manfred et il peut escalader. Ah, donc on va avoir des personnages qui auront des compétences spécifiques. Ça, c'est intéressant, ça. Ça permettra donc, du coup, de varier un petit peu les plaisirs. Parce que je suppose que l'autre, à mon avis, ne peut pas le faire. Donc là, attention, on va faire ça. Oh ! Ok, très bien. L'ennemi. En plus, il tombe direct là. Parfait. On va reprendre Ewald. Et donc, du coup, là, on va y aller avec les deux. C'est parti. Allez, c'est parti pour la méga. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est... D'accord, c'est... C'est efficace. Hein. C'est efficace. Aucun problème là-dessus. Allez, Manfred, tu vas descendre. On ne te voit pas. Viens. Descends. Descends d'ici. Ah oui, mais il faut peut-être que je le sélectionne. Mais oui, du con. Mais sélectionne-le. Fais-le descendre. Skur. Ah, merci. Donc, on a un ennemi là en bas. On a un ennemi ici. La montre est jetée là par terre près de l'ennemi avec le LMB. La boîte musique de la montre va attirer l'ennemi. Lorsque l'ennemi la récupère, tuez-le. Sinon, il appellera ses plus proches compagnons pour leur montrer. D'accord. Alors, attends, pas qu'il faut que je déplace la caméra. La montre. Écoute, on va la déplacer là, je suppose. Alors, est-ce qu'il peut l'avoir d'ici? J'ai pas l'impression. Si. Ok. Il va pas me voir aussi. Écoute, j'ai pas l'impression. Alors pour l'instant. Ah oui, le bruit. Oh ouais, c'était tout juste quand même. Faire du bruit. Alors, certaines compétences sont plus bruyantes que d'autres. Faites attention à leurs indicateurs de bruit respectifs. Avec le fameux cercle blanc. Ça, on l'a vu. Éliminer les deux. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour éliminer les deux? Parce que du coup, alors je peux me placer peut-être là, mais il va me voir obligatoirement. Alors, je vais essayer. Oh, ça va être impossible. Bon, allez, tant pis. À mon avis, c'est fait exprès. Ouais, ok, forcément, il a vu. Vite, dépêche-toi! Dépêche-toi, vite! Le couteau! Vite! Combat rapproché. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Non! Non, 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 non! Ah oui, l'autre héros! Vite! Non! C'est pas possible! Je suis mort dans le tuto. Je suis mort dans le tuto. Ah oui, mais on va faire venir les deux. Oh là là. Oh là là, je suis mort dans le tuto. Écoutez, ça sera certainement le titre de la vidéo. Hein. Je suis mort dans le tuto. Vite, vite, vite. Comment ça? Mais qu'est-ce que... Mais... Oh non. Oh mais abusé. Oh mais c'est abusé. Oh c'est l'abus. Oh c'est abusé. Oh mais c'est incroyable. Ah, je pensais vraiment... Ah ouais, donc en fait je suis quand même obligé de faire ça avec lui. Alors imaginons, je fais ça. Donc éliminer les deux. Ouais. Et peut-être qu'avec l'autre, je peux tout de suite... Voilà. Ouais, voilà, nickel. Ouais, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Oh punaise. Ah ouais, j'ai failli me faire bien déglinguer quand même. Hein. Ok, bon. C'est bon, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, évidemment. Alors on va acheter la lampe. Enfin la lampe. Non. Enfin vous avez compris, c'est pas une lampe, c'est une montre. Oh, ça va très mal se passer. Vous sentez que ça va mal se passer? Vite, 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 vite. Merde, il m'a vu. Non, il m'a vu! Non! Non! Non, c'est pas possible! Je vais jamais arriver à passer le tuto! Ah! Oh là là, je vais. Ne me dis pas que je vais pas passer le tuto. Ah, ce serait... Eh, franchement, ce serait énorme. Non, mais si c'est le cas, on fait une pause. On fera une pause dans la vidéo, parce que sinon, quand même, c'est pas normal. Alors, de toute façon, vous êtes prêts, ça va aller vite. Hop, F2, hop, et hop. On y va. Lui, m'a vu. Hop, voilà, nickel. Voilà, là, c'est bien. Là, on est bien. Donc, on revient ici. Alors, on va utiliser, donc, lui, la montre... Le problème, c'est que je peux pas le lancer. Alors, attends. Est-ce que si je me déplace là... Ah,
C'est tendu quand même. Parce que, en fait, tu vois, je peux pas me déplacer plus sans me faire repérer. Et vas-y. Vas-y, démonte-le. Mais c'est pas possible! Non, je suis pas là, je suis là, non! Oh là là, incroyable! On revient tout de suite. On revient tout de suite, YouTube. Je vais de ce pas faire une pause. Et j'arrive tout de suite. Allez. Ça y est, on est de retour. Incroyable et vrai. Mais je me suis sorti d'une situation qui était compliquée. Alors, non, mais il faut que j'explique quand même ce qui s'est passé. En fait, le truc, c'est que je faisais pas du tout comme il fallait. Voilà, c'est ça, en fait, la subtilité. C'est que du coup, je le faisais pas du tout comme il le fallait. Et donc, forcément, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ça y est, j'ai réussi à me défaire donc de ces ennemis là et du coup on va tout de suite c'est sauvegarder parce que hein, moi j'aime bien sauvegarder, justement ça tombe bien. Alors du coup on va faire du bruit. Alors est-ce que on va avoir les deux comme ça. Allez, c'est parti. Donc ça c'est bon, j'ai compris le principe. Allez, hop, bim, voilà, ça c'est fait. On va faire venir les deux et voir même peut-être que lui pour pouvoir le buter lui. Voilà, il va y arriver tranquillement et j'espère qu'il va pas être repéré. Mais viens. Viens mon poulet, viens. Alors attention, vous êtes prêts? Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite parce que peut-être que... C'est bon, ils l'ont pas entendu. Ça c'est parfait. Manfred peut distraire ses ennemis en sifflant. Ils vont aller véritablement à la source du bruit. D'accord. Alors Manfred. Alors par contre lui... ouais, on va le mettre là. Pour pas qu'il soit repéré. Allez, c'est parti. Oh, je sens que ça va mal se passer. vous sentez que ça va mal se passer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Reviens. Oh mon dieu. Je t'ai dit de siffler. Voilà, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous avez vu, je suis un professionnel du gaming. Mais... Ah, merci, quand même. Vite. Reviens. Non. C'est bon. Tout s'est bien passé. Oh, c'est pas mal. Je me suis dit, il va se laisser faire. Mais en fait, pas du tout. Justement, il se laisse pas faire du tout. Ok. Ah, c'est... Non, mais... C'est bien. Oh, récupération. Il faut attendre la récupération. C'est bien parce que je me suis dit, il va attendre. Puis... Non, mais tu vois, il se déplace en fait en arrière. Donc tu peux même pas aller le chercher. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on va l'avoir cette fois-ci? Hop. Allez, on va y aller comme ça. Peut-être que ça va marcher. Vous êtes prêts? Attention, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est bon, vous inquiétez pas. Oh, c'est pas fini. Vas-y, viens. Attention. Let's go. Hop. Voilà. Et vous allez voir. Là aussi, pareil, c'est impressionnant. C'est bon. On est bien. Voilà. C'est pas fait dans les règles de l'art, mais on est bien. Tout va bien. Tout va très bien. Alors, mode planification. Vous pouvez mettre en file d'attente une action par héros. Et l'exécuter en même temps. Pour activer le mode planification, appuyez sur Tab. D'accord. Sélectionnez la compétence de chaque héros en cliquant deux fois sur l'ennemi. Le héros se mettra alors à courir et exécutera l'action. Alors, Tab. Ah oui, d'accord. En fait, tu passes en mode bullet time. Donc là, lui, il va pouvoir avoir les deux. Cliquez deux fois sur l'ennemi. Appuyez sur Entrée. Donc, voilà. Alors, non. Non. Voilà, donc là il court. Et lui, du coup, lui, il va déglinguer l'autre. Est-ce que ça va bien se passer? Je ne sais pas. C'est le moment de voir. Mais ça c'est bon ça, voilà. C'est comme ça qu'on joue à un jeu vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à un jeu vidéo. Bravo. Ok, donc du coup maintenant on a les habits.
Récupère une NP40. Très bien. Chacun peut produire un type d'arme différent. Appuyez sur CTRL, donc ça je l'avais compris. Pour l'arme à récupérer. C'est pas ici. Alors par contre, l'arme, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on peut la récupérer là? Là. Après, il y a lui. Y a pas une arme ici. Moi, il me semble que... Ah, bah voilà. Ici. Allez, let's go. On y va. On va récupérer une MP40. Donc, pour Ewald, une MP40. Donc, je crois que je l'ai vue ici. Voilà. Et ensuite, on a... Ah non, ça, c'était l'autre que j'ai pris. Et là, c'est une MP40. Voilà. Attends, Ewald. Ah oui, Ewald. Vas-y, viens. Récupère ta MP40. Allez, voilà, c'est bon. Donc, on a... les armes, très bien. Et maintenant, on va obtenir un véhicule. Le véhicule, de toute façon, il est ici. Je crois que je l'ai vu, il est ici quelque part, où il y a un peu plus bas. Alors là, du coup, on est d'accord qu'on peut tirer sur les gens. Enfin, on peut tirer sur les gens, je veux dire, on peut tirer sur les ennemis. L'ennemi, je suppose. Alors par contre, du coup, si je fais ça... Alors attendez, vous allez voir, c'est impressionnant. Très très bien, c'est bon, tout va bien, vous avez vu. Voilà, vous avez vu, vous regardez, c'est parti, c'est mon action. Bim, allez. Ça c'est bon ça. Je pense qu'on peut même choisir les deux. Ça y est, il arrive. Oh là, oh par contre. Allez, venez les gars. Oh là là, oh ça va très mal se passer. Oh là là, ça va très mal se passer, au secours. Au secours. C'est pas moi. Ce n'est pas moi, vite. Courez les gars, courez vite. Courez pour votre survie. Cours pour ton cul. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Aïe. Oh, c'était tellement bien. Mais c'était si mal exécuté. Voilà, c'était bien pensé, mais si mal exécuté, évidemment. Ouais, donc du coup, en fait, il faut quand même qu'on soit discret. En fait, il faut quand même que je sois discret. Donc du coup, il faut que je fasse ça. On va faire ça. Ok, donc là... Mais ne me dis pas que... C'est pas ce que je voulais faire. Non, reviens. C'est bon, vous inquiétez pas. Regardez, c'est impressionnant. Vous allez voir. Regardez, attention, il va l'avoir. Il va courir après. Oh mon dieu. Oh c'est dur. Oh là là c'est dur. Oh là là le jeu il est dur. Ou c'est moi qui suis nul. C'est possible. C'est une belle découverte. Ah vraiment, on est sur une découverte de très grande qualité. J'espère que vous appréciez. J'espère que là, honnêtement, vous appréciez, parce que franchement, là je suis au meilleur de ma forme hein. Là clairement. Et voilà, ça y est, c'est bon. En fait, j'ai compris, c'est parce que je fais n'imp. C'est parce que je fais n'importe quoi. Donc, évidemment, ça... Je sais pas. Oh là là, attention. Attention, l'ennemi. Il y a plein d'ennemis partout. Ah, la moto, elle est ici. Oh, il y a plein d'ennemis partout. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Ah, on a peut-être un truc ici à voir. Après, le problème, c'est que... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Problème, c'est lui. Est-ce que je peux... Ah, il y a un truc de collection à récupérer. Très bien. La libération, la liberté. Alors, comment on va faire? Est-ce que je peux le faire venir? Ah, je peux. Ok, nickel. En fait, c'est tout juste. Comme ça, au moins, il va venir et je vais pouvoir le déglinguer. Attention, vous êtes prêts? Là aussi, pareil, c'est impressionnant. Parfait. Oui, ça c'est très bien ça, parfait. Là on est bien, là c'est bon, j'ai tout compris, hein, je suis un professionnel du gaming, évidemment. Et là on est bien. Alors, on va juste remettre la caméra comme ça. Alors là il y a deux solutions. Le problème c'est que si lui, je le déglingue, il va me voir. Enfin l'autre il va me voir en bas. On le voit, il va me voir en bas. Donc... on va sauvegarder. C'est important de sauvegarder. Et là, on va adapter la stratégie. Est-ce que je peux ouvrir la porte ici? Non, je ne peux pas ouvrir la porte ici.
Bah là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Le problème, c'est qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance suffisamment. Voilà. On va faire comme ça. Et en fait, ce que je vais essayer de faire... Je suis pas assez loin. Je suis pas assez loin. On va prendre que Manfred. Alors, attention. Oh mon dieu! Ah! Reviens! Reviens! Mais non, pas toi! Lui! Non, lui, il est mort! Non, c'est pas possible! Au secours! Oh mon dieu! Oh, j'ai vraiment bien fait de sauvegarder. Ah, oh, j'ai vraiment, mais alors vraiment bien fait de sauvegarder. Donc, il y a quelqu'un là. Eh oui, il est là. Oh, il voit super loin. Bah, comment je vais faire? Trouver le moyen de l'éliminer? Bah, ouais, mais comment? Comment je vais faire? Après, je peux faire. Mettre en évidence tout objet interactif. Ah, ça c'est bien, ça par contre. Ah, ça c'est bien. Ah, oui, oui, voilà. Oui, 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 oui. On voit beaucoup mieux. Bah, ouais, mais si je lui tire dessus, c'est compliqué. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Là, vous êtes prêts? C'est impressionnant. Regardez. Regardez, c'est impressionnant. Vous allez voir. Merde, 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 les blagues. Vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, cours, cours. Voilà, voilà. Allez vous cacher là. Oh, ils sont pas discrets. Oh là là, mon dieu. C'est bon, non, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir. Regardez, regardez. Tout va très bien se passer. Vous allez voir, tout va très bien se passer. Il y aura aucun problème. Il y aura aucun problème, tout ira bien. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ils ont rien vu, ils s'en vont tranquillement. Voilà, merci, partez. Allez, partez. Voilà. Conversation de personnage. Ah bah c'est bien. Ah bah c'est bien, ils sont en train de parler. Ça tombe bien. Allez-y, parlez, parlez. Allez-y. Parlez, parlez. Ça tombe très bien. Alors le problème n'est pas réglé ici, à ce niveau-là. Alors par contre, du coup, on va sauvegarder, parce que j'ai une petite idée. En fait, j'ai une petite idée qu'on pourrait faire, c'est que du coup, on va essayer d'aller vite ici. On va essayer d'aller là. Voilà. Oh non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Vite, on va aller par là. Oh, c'est une mauvaise idée. Oh mon dieu, c'est une très mauvaise... Oh non mais ça, non mais c'était une très mauvaise idée, mon dieu. Mais l'autre, il est là aussi, c'est pas possible. Oh punaise, alors là par contre, ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Non, je suis pas là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, c'est pas possible. Mais non, je fais nimp. Reviens là. Mais tu vas mourir. Mais oui, tu vas mourir. Mais oui, t'es mort, mais forcément. Oh, mais c'est incroyable. Oh là là. Ah, et moi qui pensais que... Et moi qui pensais que c'était une bonne idée. Mais pas du tout. Allez, revenez ici. Mais reviens ici. Voilà. Alors, bon. On en est là. Eh, mais en fait, est-ce qu'il faudrait pas faire le tour pour arriver là? C'est maintenant que je suis en train de me dire ça. J'ai l'impression que c'est... Ah, mais oui, mais c'est ça. Oh, le... Con, je suis vraiment... Pardon YouTube. Oh, pardon, excusez-moi YouTube. C'est vrai que... J'ai pas l'habitude. Pas l'habitude de ce genre de jeu. Alors, là, la vraie question est de savoir est-ce qu'on va terminer le niveau. Voilà, ça c'est la vraie question. ça c'est la vraie question par contre. Hein, parce que là, pour l'instant, comment dire que l'on est mal barré, hein. Définitivement, pour l'instant, on est mal barré. Non, reviens ici. Il allait encore faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Allez, on va le faire venir comme ça. Il va faire l'ennemi. C'est bon, il arrive. C'est bon. Non, il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, ce n'est pas vrai. Sauvegardez. Sauvegardez, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est normal. Alors, maintenant, je vais être emmerdé parce que là il y a les deux, il y a la lumière. Après, je peux peut-être essayer de passer par là. Ah putain, ça va être chaud. Puis il y a lui là. Ah, oui, forcément. Mais oui, forcément. Oh là là. C'est bon. Allez, tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Mais tire-lui dessus. Mais putain, mais tire-lui dessus. Mais c'est pas possible. Mais... C'est fini. Adieu. Adieu, monde cruel. C'est terminé. On va... Non, 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 reviens. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors attendez, attendez, il y a peut-être. Je vais mourir. Adieu, adieu, c'est pas possible. What the fuck? C'est super dur. Ouah, c'est incroyable comment c'est dur. C'est incroyable comment c'est dur de ouf. Franchement, c'est tellement dur. Alors là, maintenant, le problème, c'est que là, t'as les ennemis qui sont là. Et je peux pas passer là. Et le problème, c'est lui. Lui, il va me saouler en fait. Donc on est dans le brin. Faut que j'y aille à part. Je viens de comprendre. Vous inquiétez pas, j'ai compris. Regardez, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est bon, j'ai compris. Vous allez voir, c'est impressionnant. On va y aller un par un. Et je crois que c'est la tactique. C'est la tactique adoptée. Regardez. Non, non, un par un. Voilà. Regardez, attention. Mais non, il m'a vu aussi. Oh ah putain. Ah mon dieu, c'est tellement... Oh puis lui en plus. Oh bah oui. Oh, il y a lui en plus. Oh mon dieu. Non, je suis pas là. Compliqué. Oh là là, ça va être compliqué. Alors attendez. Examinons la situation. Donc, en gros, si je passe là, c'est mort. C'est mort, je ne peux absolument rien faire. Mais on est d'accord, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de passer par là. Après, on peut aller là, mais eux, ça sert à rien, ils vont nous voir. Parce que même si je me mets là, ils me voient. Alors attendez. Alors, je réessaye une chose. Là, ça devrait passer. Ok, là c'est bon, là on est passé, mais le problème c'est qu'il y a eux, là en haut, là, je sais pas comment je vais faire pour les avoir, va falloir faire tellement que je fasse diversion, et si je vais là, est-ce que je vais être vu? Ouais, je suis vu, en fait je suis vu obligatoirement. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, on n'était pas loin du tout. En fait, donc du coup, j'ai compris. On peut aller donc jusque-là. Jusque-là, c'est ok. Après, se pose le problème de lui. De lui qu'on voit juste ici. Lui, ça va être problématique parce que lui, quoi qu'il arrive, il nous voit et on n'a pas le temps. Ah, je pourrais utiliser le tab. Eh oui, forcément, ouais. Alors, attends. Donc, logiquement... Il y a peut-être moyen. Hein. C'est risqué. Allez, je tente. Allez, courez, les gars. Oh. C'est bon, non? C'est bon. Oh, c'est bon. La clôture, vite! Oh, c'est incroyable si ça passe! Non! Vite! Non! Oh, c'était tellement bien fait! Non! Oh, punaise, je suis tellement dégoûté! Oh, c'était tellement bien fait! Mais vraiment, hein! Oh non, c'était tellement bien fait de ouf! Oh, quel dommage. Alors après, là, on peut peut-être aller jusque-là, mais... Oh, puis en plus, il va faire le tour là, mais t'es sérieux? Mais non. Bon, allez, on retente comme ça. Allez, on retente comme ça en mode... En mode one again. Oh, bah alors là... c'est n'importe quoi, là. Et oui, forcément, l'autre... Aïe. Ah, c'est tellement dommage. Oh, c'est tellement dommage, punaise.
Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire autre chose, hein. Peut-être, en fait, c'est même pas là qu'il faut aller, hein. Peut-être c'est même pas là qu'il faut aller, il y a peut-être un passage, là. Regarde, tu vois, là, ici, il y a un passage, ici. Je me demande s'il faut pas faire le tour. Mais le problème, c'est que faire le tour... Là, on vient de passer par là, on peut pas passer par là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, non, non, on peut pas passer par là, on est obligé de passer par là. À moins que c'est lui qui peut... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Parce que même si on se place là, on se fait repérer. Alors, attendez, on va... Non, pas les deux. Voilà. On va se mettre là. Allez, il y en a qu'un qui y va. Oh, sérieusement. Waouh, c'est tellement chaud de night. Ah, puis là c'est fini. Là c'est fini. Oh, c'est dur. On n'y arrivera jamais à passer le tuto. On n'arrivera jamais à passer le tuto. Non. It's impossible. Ça sera le tournant de la vidéo. Arrivera-t-on à passer le tuto? Allez. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Et on va les faire venir ici. Enfin, on va les faire venir là plutôt. Non, là. Voilà. On va les faire venir là. On va procéder autrement. Je suis sûr qu'il y a un truc que je fais pas bien. Je suis persuadé qu'il y a un truc que je fais pas bien. C'est obligatoire. Donc là, par exemple, si je me mets là. Ok. Et là, il va passer où, là? Ah, il fait rien, le bâtard. Ah, d'accord. Il fait rien. Oh là là, mais il fait exprès. Oh là là, non, ça c'est... Non, vraiment, c'est moche. Non, vraiment, c'est moche. Hein. Vite, reviens. Reviens. Et puis là, forcément, tout le monde va arriver. Voilà, forcément, tout le monde va arriver. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qui vient de se passer. C'est la fin du gaming. Alors, je suis sûr que je pourrais faire attaquer les deux, hein. C'est parce que j'ai pas encore tout bien compris. Ici, attention. Ne meurs pas, tu n'es pas mort. Non, tu n'es pas mort. Ce n'est pas vrai. You're not dead. Oh, ça me semble pas mal. C'est peut-être le moment de l'ouverture. Oh, regardez. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est peut-être justement le moment où jamais. Oh mais non, il y a encore lui. Oh, il y a encore lui qui est là au secours. Allez, on sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Voilà. Et on va faire tab. Allez. Là, j'ai envie d'y croire. Voilà, on fait ça. Et c'est parti. Allez, let's go. Oui, voilà, ça c'est bon ça. Non, reviens ici. Dépêche-toi, tu vas mourir comme une merde. Dépêchez-vous. C'est bon, tout va bien. Rentre. J'ai failli me faire des glingues. C'est bon. Ouf. C'est bon, tout va bien. C'est bon, tout va bien. C'est bon. Il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Il y a peut-être moyen d'avoir créé. C'est le moment. C'est le moment où. Peut-être. Le changement va arriver. Peut-être que c'est là où on va pouvoir finir la mission. C'est peut-être le moment. Regardez. Mais il est où l'autre? Mais viens avec ton pote. Mais genre il vient pas avec son pote. Voilà, c'est bon. Alors, il y a lui. Mais je crois que lui il va nous voir. J'ai envie de le tenter. Je le tente. On va pas pouvoir passer à côté. On ouvre le feu.
Mode c'est... combat. Votre personnage devient plus agressif, ce qui rend le combat plus facile. Oui, bah juste lui en fait. Ah, donc ça veut dire qu'on va rentrer en mode combat ? Ah, oh, bah oui, c'est une bonne idée. Oh mon dieu ! Bah d'accord ! Bah oui, bah d'accord, mais je ne savais pas ! D'accord, je suis en mode combat en fait là ! Bah oui, bah d'accord, mais je savais pas ! D'accord. Ah ouais, d'accord. Par contre, il y a... Mais oui, mais d'accord. Mais oui, mais c'est beaucoup mieux. Mais évidemment que c'est beaucoup mieux. Mais oui, mais... Oh, mais bien sûr que c'est beaucoup mieux. Oh, mais c'est génial, en fait. On débloque, en fait, un mode combat après. Oh, les persos, ils sont dans le rouge. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais on a réussi. Nous avons réussi, mes gens. Le premier chapitre est terminé. Oui! Oui! C'était pas le prologue, c'était le premier chapitre. Oh là là! Oh là là, j'ai... Oh, on a réussi. Nous avons réussi l'exploit. L'exploit d'avoir réussi cette mission. Oui! Oui, 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 oui! Voilà, c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui fait plaisir, évidemment. Eh ben super, ça c'est cool. Bon, bah écoutez mes gens, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à partager, à liker comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure, portez-vous bien. Le jeu donc du coup, si vous le savez pas, c'était Warmonger Elves, donc c'est dispo sur Steam ou sur l'Epic Game Store, je vous ai laissé un petit lien dans la description vidéo où, si vous voulez le prendre bien sûr, c'est aux alentours de 35€ de mémoire. Merci beaucoup, des bisous, et à bientôt, ciao ciao ciao, salut.